ta question, c'est comment j'utilise le peu de temps que j'ai pour démarrer un truc sur le web, c'est ça? Tu as des tas d'approches possibles. Tu peux créer un blog, une chaîne YouTube et tout l'écosystème qui va avec, avec 5 à 10 heures par semaine sans problème. Tu peux décider d'explorer la pub Facebook, tu peux décider de te mettre à fond dans l'immobilier, de documenter ce que tu fais en vidéo, tu vois. Moi, ce qu'on s'est demandé, en fait, si on ne voulait pas un truc Instagram où finalement on racontait notre histoire. Instagram, c'est bien, mais il y a des gros inconvénients à cette plateforme. Moi, je recommande à personne de faire que ça. Franchement, créer l'écosystème. Vous avez votre blog au milieu, la chaîne YouTube, le compte Instagram, la page Facebook, ça suffit. Éventuellement d'autres médias sociaux si vous en avez envie, mais c'est pas indispensable. 5-10 heures, ça suffit largement. Hein. Vous publiez un contenu par semaine sur le blog minimum, hein, un par semaine. Et quand je dis contenu, ça peut être texte, vidéo, audio, hein, peu importe. Et voilà, c'est parce que de toute façon, quand tu publies une vidéo sur ta chaîne, tu l'intègres sur ton blog, tu vois. Et tu mets une transcription texte en dessous que tu délègues. C'est-à-dire que c'est pas toi qui va t'amuser à faire la transcription. Donc du coup, ça te fait du contenu écrit et ça te ramène du trafic en longue traîne et tout ça. T'en fous quoi, fais ça à l'arrache et vas-y en mode lean startup. C'est une méthode qui vient de la Silicon Valley qui consiste à se mettre sur la réalité du terrain le plus vite possible. Faites un truc à l'arrache sur le net, ça va vous permettre d'acquérir une expérience qui aura beaucoup plus de valeur que la meilleure théorie de votre chambre.